Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue sur ce nouvel épisode de Startopia, le troisième de la lignée. Je me reconnecte ici, dans cet havre de paix et de bonheur. Oh yeah. Un pourceau-groulien bien sûr arrive, garçon. Allô ? Ici Armona. Alors, qu'est-ce que t'as proposé, toi ? Je viens recevoir des marchandises qui vous plairont, j'en suis persuadé. Non. Pourquoi ne pas faire affaire ? Eh ben, je ne t'achèterai rien du tout. Une bouteille de diesel grand cru. Il va falloir directement de la planète Terra. De toi. Il va falloir bientôt améliorer le dormatoire, parce que je vois que ça commence à être un peu plein, l'histoire, hein. Ouais. Allez, on attend le petit vaisseau, là. J'ai vu qu'on avait un génomatique en stock. Ah, il va falloir le poser. Un navire marchand vient d'arriver. Alors, voyons voir ça. Ah bah tiens, finalement, on va peut-être le vendre. Hein. Oh là, les matériaux. Hop là. Ah, le minerai, on va y en acheter un dernier. Ah là, nous avons 20 000. Là. Nous n'avons pas de recyclomatique, hein, de mémoire. Hein. Si. On a tout ce qu'il faut. Par contre, on n'a pas d'usinatoire, ça on va lui en prendre un. Les poubelles aussi, on va lui en prendre. Et on va lui vendre un autre truc, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lui vendre? Le géanomatique? Non, j'ai envie de le garder. Voilà. Alors, il est où le géanomatique? Un navire marchand est parti. De toute façon, si je suis toujours à plein de bâtiments, je dois l'avoir, le géanomatique. Ouais, je l'ai. C'est parfait, les gens. Donc, on commence en attaque directe. J'ai oublié de lancer le chrono. Démarrer. Voilà. 30 minutes de vidéo, encore une fois, hein, pour ce vendredi matin. On va faire un petit peu le point sur nos employés. J'étais sûr qu'il y avait une ou deux demandes de promotion en cours. Une seule. Ça va très bien. Alors, qu'est-ce que t'es, toi? Vas-y, arrive le gris. Arrive. Alors, le génomatique et la poubelle, on va les mettre là. Un petit génomatique ici pour s'assurer que tout ça fonctionne non-stop. Voilà. Alors, par contre, l'accessoire à la poubelle, je la vois pas encore. Oh, c'est sale ici, c'est très sale. Ils sont très sales, ces aliens. Vraiment, ces aliens, ils sont crades. Oh yeah, ils sont super crades, ces aliens. Un navire marchand vient d'arriver. Alors. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut te vendre à toi. Le téléphone à toi, ouais. Les produits de luxe, allons-y gaiement. Voilà. Et qu'est-ce que tu vends à bon prix? Tu vends du lavatoire. Ah oui, t'es un gris, toi. Alors, on va te prendre un ou deux soignatoires, mon gars. Un ou trois. Voilà. On va prendre les médicaments. Parce que ça se vend toujours, le médicament. Moi, je dis le médicament, ça se vend. Hein, c'est bancable. Discothèque, ils ont pas les moyens, c'est bien dommage. Lavatoire, c'est bon. On va prendre une dose, les choses d'attente, on va les prendre. Des pharmacies aussi, tant qu'à faire. Et voilà. Eh oui, c'est encore moi, votre vieux copain Arona. Les skeuzers, on va les prendre, les gars, parce que les skeuzers, on va en avoir besoin. Des marchandises de premier choix. Qu'est-ce que vous en dites? Ouh que c'est gros ça. Ah, j'ai pas la place. Bon, bah tant pis pour l'usinatoire du coup. Ah, je vais pas détruire ça pour le déplacer pour... Non. Après inventaire, il apparaît que vos biens valent 40 000 énergie. Merci. J'ai arrêté de compter les grands chiffres, ça me fait peur. Mais tu veux pas le coller là? Hop. Ouvre-toi le skeuzer, mon gars. Mon ami skeuzer, tu t'ouvres s'il te plaît, tu vas... faire du recyclage et du nettoyage. Hop, les skeuzers, j'ai dit, j'en mange du skeuzer, les gars. Toi, tu vas rester normal parce que tu fais un petit peu. Qu'est-ce que t'as proposé, toi, chérie? On avait plein de bâtiments, on a quoi? Soit de lavatoire, sonateur, ordinateur, ouais, c'est cool. J'aimerais bien trouver les poubelles aussi à l'occasion. Projomatique et les poubelles, elles doivent être là, ouais. On va aller mettre une poubelle directement au deuxième étage. Un navire marchand vient d'arriver. Voilà. Alors, les petits à direct. Pharmacie, chaise d'attente. Soignatoire.
Les gars, on vend les médicaments. Voilà, ils ont plus de sous, les mecs. Ils ont plus de sous. Discothèque, on en a. Jubilator, on va leur en prendre un autre. Produit de luxe, on fait un max de bénéfices avec. Donc on va leur en prendre. Et voilà. Ah, moi je dis, ça se passe bien, les gars. Un navire marchand est parti. Ça serait bien qu'une sirène me rende visite parce que j'aimerais bien améliorer ici la base, là. J'aimerais bien améliorer ici. Alors, ça, par contre, il faut absolument y faire quelque chose, hein, parce que là, ça devient critique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais quelques lits supplémentaires, ça fera pas de mal. Voilà, ça coûte un peu de sous, mais au moins, comme ça, ils savent où dormir, les mecs. Ici, ils font que passer, c'est bien, ma foi. Alors, au niveau des employés, on va faire un petit peu le point sur les employés. Donc ici, on en a 5, c'est parfait. Ici, on en a 2, c'est parfait. Ici, on en a 3, il nous en faudrait un ou deux autres. Ici, on en a 4. On va donc prendre un visiteur, ceux-là. Les plus courts. Eh ouais, t'es bien d'accord. Alors, eux, peut-être. Mais ils ont des compétences, mais c'est affiché à... Ah d'accord, oui, forcément. Alors lui il est bien là, lui il est bien là, lui il est bien là. On va le prendre à toi là. Toi t'es embauché ton pote. Un targ. Arrive mon garçon. Alors j'ai pas fini. Il m'en faudrait un deuxième. Qui soit un peu motivé quand même. Ah, il est là le sac. Il est en train de danser le mec. Voilà, eux c'est bon. Eux c'est bon. Eux par contre j'ai peur qu'il n'ait pas assez. Waouh, toi t'es beau toi. Ah, tu dors, on va te laisser ronquer, mon gars. Ensuite, ici, nous avons quoi? Nous avons lui qui est pas mal aussi, là. Décidément, quand je les cherche, ceux-là. Oh, la pharmacie, très bien. Oh, l'usinatoire, parfait. Je vais prendre le scuser, par contre, parce que le scuser, j'en manque toujours. Les matériaux industriels, on va te les vendre, on va prendre le matériel que t'as. Hop, hop, hop. Un ou deux GG nomatiques, on a de la place, la contrebande, un cargomatique parce que ça se vend, ça j'en suis sûr. Le projomatique, ça fait toujours ça de prix. Après inventaire, il apparaît que vos biens valent 40 000 énergie. Une éruption solaire vient de se déclencher. Voulez-vous reconfigurer le boîtier voilà. Pour recueillir l'énergie solaire? Et les gars, là, moi je dis, on est bien là. On va vite fait enclencher les scuzzers. Ils doivent être ici. Il y en a un là, au moins. Voilà. C'est bien les gars, on a un cargomatique il me semble maintenant, on a acheté un cargomatique, hein. Ouais, on a acheté un cargomatique. Hein. Il n'est pas encore arrivé, on va y mettre du temps à arriver, je sais pas pourquoi. Ah bah t'es là, voilà. Mais bon pour l'instant on a la place là-bas donc on va pas l'utiliser encore. Hein, franchement ça sert un peu à rien. Eux ils sont OP, ça c'est OP, ça c'est OP. Peut-être un autre mangeatoire, un autre lavatoire du coup, parce que ça devient un peu plein l'histoire là. Ouais, il me faudra acheter un mangeatoire. Arrive garçon, arrive, arrive. Et franchement les gars, moi cette série, elle m'éclate. Je suis aussi ravi des retours que j'ai. Disruptor notamment, une vidéo géniale. Bon, RP Pernechel qui me dit que le commerce... profite à tous, hein, c'est pour une grande marque de magasin, on ne citera pas de nom bien entendu. Hein. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Vous semblez apprécier cette série, moi j'aime bien quand vous appréciez. Ouh, oulélé. Là, oui, on était là nous par contre, toi je te veux. Un navire marchand vient d'arriver. Je t'embauche garçon, je t'embauche, en plus tu venais dépenser toute ta thune, c'est parfait. Le bateau marchand de l'amour, qu'est-ce qu'il me vend? Qu'est-ce que je peux lui vendre? Tiens ça... le minéré, tac tac tac, on va y en prendre deux autres de plus, ici on va s'arrêter. Le GG pneumatique c'est bien rentable ça, de toute façon les gars maintenant on va arrêter d'acheter et de revendre. Hein. On va tout vendre maintenant je pense, hein. On va prendre encore une ou deux usines, parce qu'on les a bien vendues tout à l'heure. Hein. Un recyclomatique du bonheur, on va lui vendre ça aussi, et voilà, tu peux t'en aller, merci à toi. Donc c'est parfait, le recyclomatique ici fonctionne plutôt bien, je suis assez content. J'aimerais bien trouver les autres scuzzers s'il vous plaît. Parce que je sais qu'ils existent, hein. Ils ont le mérite d'exister donc je les veux. C'est pas compliqué, je les veux les scuzzers. Hein. Parce que, oula, lui il manque de... Ouais, il me faut absolument une visite des sirènes pour ajouter d'autres attractions les gars.
Les sirènes, ça va devenir assez important là maintenant là. Ah, la station est sale, mon ami. Hein. Tu pourrais nettoyer. Hein. Donc ils font les aménagements, ils font tout ça. Bah, il n'y a plus qu'à attendre là, les gars. Je suis désolé, ça va être un peu long, mais on peut voir que je suis à 4, je suis à 100 000 là. Il me faut combien déjà? Hein? C'est un moment historique. Vous allez commencer à commercer avec le reste de l'univers. 100 000 mais énergie. N'oubliez pas. Le conseil des gris encore. Ici un renard. Ah, je vais devoir ça passer par autre chose. Je viens recevoir des marchandises qui vous plairont, j'en suis persuadé. Pourquoi ne pas faire affaire? Achetez-moi des petits catous. On va prendre un motel Abyss aussi. Diesel Grand Cru, importé directement de la planète Terra. Et le Scuzzer, voilà. Étant donné qu'on a des jets nomatiques un peu partout, vous voyez l'énergie ici, on est qu'à 8000, mais ça va bien parce que... Après l'inventaire, il apparaît que vos biens valent 40 000 énergie. J'ai arrêté de compter les grands chiffres, ça me fait peur. Tais-toi, Val. Donc vous pouvez voir qu'ici, en fait, je suis dans le jaune grâce aux nombreux jets nomatiques que j'ai posés. J'en ai posé 4 en tout. Ce qui fait que mes réserves énergétiques sont bonnes. Sans ça, je vous le dis franchement, je serais dans la mouise la plus totale. Ah, avec moins de 10 000, là... Clairement, un navire marchand vient d'arriver. Ouh, projet motique. Très bien, je cherche à m'en débarrasser justement. Ah bah tiens. Et toi du coup on va te vendre un jubilatoire. Pour avoir des sous. Un sonateur, on va t'en prendre un aussi. Les médicaments bien sûr je te les prends tous. Voilà, il me reste 12 000 énergie, faut que je fasse gaffe. Et voilà. Voilà. Comme ça on est bien là, moi je trouve qu'on est bien là. Un navire marchand est parti. Ouais bah on est bien là. Clairement on est bien, ici ça fonctionne pas très bien, c'est pas grave. Hop, je veux une poubelle mon gars. Pour le deuxième étage. Parce que c'est que des salles ici. Ah, d'ailleurs on va la remettre la poubelle à proximité. Toi, on va te déplacer ici. Voilà. Ça leur évitera peut-être de tout salir s'ils ont la poubelle directement en sortant de la boutique. Hein. Parce qu'alors je remarque que mes scuzzers passent un temps fou, phénoménal à faire ça. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire là? J'ai acheté, il me semble, un motel à vis. Hein. Ouais, j'ai acheté ça. Hein. Voilà. Ah, les sirènes, enfin! On va leur faire une deuxième boutique à tout. Voilà. Les sirènes qui débarquent les gens, et ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que clairement je manque de trucs de... Voyez ça ici c'est plein là d'ailleurs, enfin peut-être que je l'améliore, c'est un petit coup. En recrutant des sirènes supplémentaires, what? Un navire marchand vient d'arriver. Alors les pharmacies on va te les vendre directement, voilà. Il y a que des discothèques et des jubilatoires, c'est pas bon ça. Des médicaments les gars, vous allez en bouffer. On va prendre vos produits de luxe. Voilà. Oh, la musique s'arrête. des discothèques qu'on en a, on va prendre un jubilatoire en plus. Et voilà. Voilà. C'est très bien, ils m'ont construit le motel Abyss. Un navire marchand est parti. Tant mieux. Ici, donc, qui est assez rentable, ça. Ouais, je modifie pas les prix. Je remarque que je suis quelqu'un qui ne modifie absolument pas les prix des trucs. Hein, voilà, parce que... Parce que j'en vois pas l'utilité, tout simplement. Clairement, je n'en vois pas l'utilité. Vous voyez, hop, le motel Abyss direct, il va se remplir. C'est bien, salut Arona. Votre grand ami Arona, vous allez absolument enfin, ce que j'ai à vous proposer. Et vous savez très bien que je suis le vendeur le moins cher du marché. Si j'avais la place de mettre une usine à toi, franchement, j'aurais pris ça. Je vous le dis franchement, je l'aurais pris. Voilà. Bon, j'aimais bien, elle vaut 100 000 énergie. Maintenant, si je revends tout ce que j'ai, logiquement, je gagne la mission. Je vous le dis en toute franchise, les gens. Après inventaire, il apparaît que vos biens valent 40 000 énergie. J'ai arrêté ouais, de il a bugué, lui. Chiffres, hein. Ça me fait peur. Il a bugué. Hein. Derrière, il le dit, j'ai arrêté de compter, ça veut dire que... Le mec. Hop là, je fais le petit mangeoire ici. Vas-y, débarque. Au deuxième étage, on va peut-être faire une deuxième discothèque. Parce que la discothèque, je remarque que ça fonctionne plutôt bien. Voilà.
Ce truc c'est vraiment pas très cher, on a juste les portes à placer dans tous les sens. Et au moins c'est génial. Voilà. Deuxième discothèque. Pour leur faire plaisir à ces aliens. Putain, il y a des pollutions. Un navire marchand vient d'arriver. Ah. Alors, les programmatiques, je prends le téléphone. Ah, l'usinateur, je te le vends, tiens, très bien. Avant ça, on va quand même passer ici. Ah, je peux pas te vendre grand chose à toi. Hein. Ouais, bof. On va te prendre deux contrebandes de plus. On va prendre deux, un ou deux génomatiques. L'usinateur, du coup, on va te la vendre. Et voilà, merci, au revoir. Ça y est, il va remettre la musique. Un navire marchand est parti. Alors, toi, clairement, on va passer à l'étape industrielle, les gars, parce que là, ça va être plus, sinon... Voilà, accepté. Et voilà, les gars, un nouveau jubilatoire tout beau, tout neuf, qui vient d'arriver. On va recruter de la sirène, moi je vous le dis. Au niveau des employés d'ailleurs. Comment ça se passe, hein? Les grades là, hop. J'ai vu une étoile clignoter, non? Ah, ici. Ça clignote ici. Descends, toi. Voilà, ils sont tous contents, c'est parfait au niveau des visiteurs. Je veux de la sirène, de la bonne sirène, de la très très bonne sirène, s'il vous plaît. Ah, allez, elles sont pas très bonnes, hein. Tiens, toi, t'es pas mal. C'est où, t'es là. Hop. Voilà. Un pourceau groulien qui débarque, les gars. Hop, hop, hop. De toute façon, maintenant, sachez un truc, c'est que l'objectif, c'est de clôturer cet épisode. Donc, clairement, maintenant, là, je ne fais faire que vendre. Voilà. Nous sommes à la moitié de l'épisode. Nous sommes à 15 minutes. Là, maintenant, tout ce que je vais faire, c'est vendre. Vendre. Hein, clairement, je leur fais une petite discothèque comme ça pour le plaisir, pour le fun. Mais là maintenant, clairement, ça va être l'objectif de vendre, vous voyez, ils se mettent ensemble et tout ça, il y a de plus en plus de monde, c'est très bien, le jubilatoire est upé, il est upé. Un navire marchand vient d'arriver. Ici, ils ont arrêté un peu de faire la queue, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre à toi? J'ai l'automatique. Avant ça, les matériaux industriels. Ah, tu m'achètes rien de bien, hein. Tiens, prends ça déjà. Tu vas prendre le cargomatique aussi, parce que j'en aurais pas besoin. Tu vas prendre un petit peu de contrebande, voilà, un et un, allez, ciao. J'estime que la valeur de vos biens vaut un total de 100 000 énergies. Puis-je me permettre de vous suggérer de vendre tout? Salut! Oh, ça commence à avoir de la gueule tout ça! Mais j'ai ici des marchands... Arona est parti. Ah merde, j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. Ah zut, bon tant pis. Ah, ça commence à avoir de la gueule tout ça, mais t'as des marchandises peut-être, mais j'en ai rien à foutre. Comment tes marchandises, mon gars? Hop, le scuzzer. Parce qu'il faut du nettoyage, les gars, du nettoyage, toujours du nettoyage. Une éruption solaire vient de se déclencher. Voulez-vous reconfigurer le Watomatic pour recueillir l'énergie solaire? Moi je dis, les gens, elle est sympa cette station. J'aime beaucoup la gueule que j'ai mis dans cette station. Et bon, il y a des trucs dans tous les sens, hein, mais ça c'est moi, hein, ça c'est. C'est normal, je dirais même. Donc on a tout chargé ici, c'est cool. J'aime beaucoup la gueule qu'a ma station, il y a tout qui fonctionne, c'est parfait, il y a une pharmacie ici pour les deux médecins, donc c'est parfait. Il y a le petit projomatique, tout ça, hop hop hop. Non, franchement, on est bien là, et puis vous voyez, on est bien dans le vert dans l'énergie, hein. Là les gars, moi je vous dis, on est plus que dans le vert. Hein. Vas-y, arrive, garçon. Bon, du coup, le dormatoire est totalement surdimensionné, ils sont deux à dormir dedans, maintenant. Mais bon, tout à l'heure, hein, c'était pas suffisant, hein. Moi je vous dis... Ici, la discothèque, elle sert strictement à rien pour l'instant. Ils sont tous là, les gens, je sais pas pourquoi. Le motel Abyss, y a du monde dedans. Surtout les gris, c'est très bien. Ouais, parce que les gris sont fans de tout ce qui est luxe. Hein. What? Ils sont tous en poste, les mecs. Ils sont tous en poste. Il y en a un qui prend son pied, là. Là, il y a méga tournante sur lui et il prend son pied, le mec. Hop, ça fait. Voilà, ah du coup il va plus de discothèque ni rien, mais ça, le jubilatoire je peux lui en vendre un, très bien, hop. L'éruption solaire vient de se terminer. Et voilà, nous sommes à 80 000 énergies. J'estime que la valeur de vos biens vaut un total de 100 000 énergies. Puis-je me permettre de vous suggérer de vendre tout votre inventaire et de ne plus rien acheter? Mais oui, c'est ce que je fais, t'inquiète pas, regardez, je suis à 80 000 énergies, il me reste encore 50 000 de valeur marchande. Moi je vous le dis les gens, ça va être easy cette mission, easy de chez easy. Je trouve, en fait, qu'on s'est super bien démerdé. Il reste encore 10 minutes de vidéo.
J'estime que la valeur bon, de ta gueule. Vaut un total de merci Val, je sais. Hein, Val, là, sur ce coup-là, t'as du retard. Val, sur ce coup-là, t'es à la bourre. Ça y est, ça, la nouvelle discothèque commence à fonctionner un petit peu. Oh bah tiens. Non, j'embauche plus de sirènes, on en a assez. Nous en avons largement assez. Limite, si je laissais tourner comme ça, les gars, je crois que je gagnerais. Parce que là, clairement, la station, elle est bien rentable. Elle est bien rentable. J'ai un scooter qui s'est perdu dans les caisses, quelque part, je sais pas où il est. Ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Ouais, clairement, la station, là, elle est bien rentable. Je peux pas pousser les murs encore. Non, je peux pas pousser les murs. Zut. Ouais. Donc là, ben, on va passer juste un quart d'heure à vendre des marchandises. Voilà. Moi, je dis, y a pas de respect, hein, mais c'est comme ça, hein, que voulez-vous, hein. Hop, le petit... Droid Scuzzer ici, tiens, Rona. Salut! Oh, ça commence à avoir de la gueule tout ça! Mais j'ai ici des marchandises qui vous feront crever d'envie! Non. Et quand... Le but du jeu n'est pas de remporter la mission de façon immédiate, hein, clairement. Il faut tenir encore un tout petit peu, quoi, comme un épisode plus court, moi ça m'arrangerait au niveau de l'upload. Ça serait peut-être profitable, hein. Autre après inventaire, il apparaît que vos biens valent 40 000 énergie. Tais-toi, Val. J'ai compté les grands chiffres, ça me fait peur. Tiens, en passant, si vous avez... N'hésitez pas à laisser des commentaires, tout ce que vous voulez, en dessous de la vidéo, parce que, un comme vous pouvez le voir, hein, je les lis absolument tous. Ah bah les gars, là, ça va être la victoire, hein, si je fais ça. Si je fais ça, c'est la victoire. Qu'est-ce que je fais? Parfait. Voilà. Vous êtes vraiment un marchand hors pair. Peut-être qu'un jour, vous serez aussi célèbre qu'Aronadal et deux fois plus populaire. Bref, passons. J'ai reçu une offre des autorités de réhabilitation galactique. Il semble qu'ils ont besoin de quelqu'un pour diriger un centre de réhabilitation pour criminels. Donc, ben voilà les gens, nous avons gagné. Hein. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Tant que je le peux, je vais continuer à vraiment tous les lire et tous y répondre. Donc ça franchement n'hésitez pas, moi j'aime bien avoir beaucoup de commentaires sur mes vidéos, moi ça me permet de voir que ben, vous les regardez, vous réagissez, ça m'encourage quelque part. Hein. Donc franchement les commentaires, hop, on va arrêter le chrono, il sert plus à rien le mec. Hop là. Donc les commentaires clairement ça m'encourage, donc n'hésitez pas à me laisser ça, ça c'est vraiment un moteur pour moi. Ben, dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé du coup ce petit épisode, ça compensera la longueur des épisodes bonus que vous avez eu juste avant, hein, voilà, ben, sans aucun respect le mec, pas de respect. Merci à tous, donc pensez, commentaires, tout ça, portez-vous bien, et puis moi je vous dis à très bientôt pour ben, le prochain épisode. Allez, ciao ciao les gens.